France, on voit la Tour Eiffel, d'autres bâtiments. Non, en fait, c'est pareil du tout, je suis à Las Vegas. Regardez-moi un peu la taille de cet écran, c'est fou! Bon, en fait, je vous ai menti, je suis ni à Paris, ni à Las Vegas, je suis à Venise. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un petit peu changé d'endroit. Ouais, ça se voit un petit peu. En fait, on est passé 200 km à l'est de Las Vegas. Et il se trouve qu'on est aussi tout près du Grand Canyon. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas emmener ma caméra et vous montrer un peu tout ça, non ? Salut à tous, il est actuellement 9h41 et on est en route pour le Grand Canyon. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer d'autres endroits et si possible, ajouter une petite musique de fond pour faire un peu stylé. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Je viens de trouver les personnes les plus folles du monde. Okay. Moi aussi. Oh, en fait, on a beaucoup de mal à imaginer, mais de ce point-là en dessous jusqu'au bout tout là-bas, ça fait à peu près 50 km. Et il y a à peu près 2 km de profondeur. Bon là je vous explique, en fait on va changer d'endroit et on va aller un peu plus loin pour regarder encore de meilleures vues. Je vais vous montrer ça. On vient d'arriver dans notre nouvel endroit et la vue, je peux vous dire, elle en jette. Ça donne un petit côté les terres désolées de Mad Max, vous trouvez pas? Hey, salut à tous, aujourd'hui nous sommes le lendemain de notre visite au Grand Canyon et nous avons encore changer d'endroit. Essayez de deviner où je suis. Bon, vous trouvez toujours pas, je vais vous donner un petit indice. En gros, voilà, on est à Monument Valley et c'est dans cet endroit qu'a été tourné tous les films, tous les vieux westerns. Il était une fois dans l'Ouest, tous ceux avec John Wayne. Et aussi Thelma et Louise, Forrest Gump et bien sûr Retour vers le futur. Je vais quand même vous montrer l'endroit un peu mythique, vous allez voir comment c'est beau. On est maintenant à l'endroit où ils ont
tourner la séquence mythique du film Il était une fois dans l'Ouest. Là, ce que vous voyez par terre, c'est les rails en béton qu'ils ont construits pour pouvoir faire le travelling avant quand le fils y porte son père. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à apporter mon harmonica. Je vais vous jouer un petit air pour vous montrer. Ah, je joue bien, hein, c'est pareil que dans le film. Bonjour à tous, on vient d'arriver à notre dernier arrêt et ce dernier arrêt est Bryce Canyon. Je vais vous montrer un peu tout ça. On y pense, ça va leur faire un choc aux gens qui sont venus ici pour la première fois parce que c'est, on dirait des stalactites tellement c'est beau, non? Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.